Peto la mboka. Kumisa e, kumisa mwana, oh kumisa e, kumisa mwana, kumisa, kumisa ya, kumisa mwana, oh kumisa mwana. Alors, résumons. La prospérité est demandée à Dieu. Dieu te donne son esprit. Et quand Dieu te donne son esprit, ton âme, par la foi, doit s'élever au niveau de la puissance que Dieu met dans son esprit. Donc, c'est pour cela que l'état de ton âme doit prospérer. Et quand tu l'as compris, tu vois toi-même les changements dans ta vie. Tu ne marches pas à côté de Dieu, mais tu marches avec Dieu, avec la puissance de Dieu. Maintenant, parce que Dieu est en toi, parce que tu laisses Dieu agir, tu dois prospérer, et la Bible précise, à tous égards. Je prie pour que tu prospères à tous égards, à la fois socialement, économiquement, intellectuellement, à tous égards, que tu sois affranchi de toutes les peurs. Les peurs de la sorcellerie, les peurs de la malédiction, les peurs de la maladie, tout cela, tout ce qui ne vient pas de Dieu, Dieu va toujours l'écarter. Et donc, tu dois progresser. Et alors, à ce moment-là, la prospérité devient un attribut divin. Dieu ne peut pas te mettre sur la terre et te laisser pauvre. Il y a donc une obligation pour toi qui est faite par Dieu pour que tu sois prospère. Et c'est ainsi que tu glorifieras Dieu. Et un des signes qui montre que tu es béni, que tu es dans le chemin de la prospérité de Dieu, c'est la bonne santé. Qui vient à l'esprit, est-ce qu'un peuple doit être prospère ou peut être prospère? La réponse, elle est évidemment oui. Et nous avons deux passages sur lesquels nous allons réfléchir. C'est dans Deutéronome
14, verset 2. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit ceci. Car tu es un peuple saint, c'est-à-dire mis à part pour l'Éternel. Ton Dieu est l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Une notion importante, c'est que nous tombons là sur ce que j'appelle les bantous. Il y a un choix de Dieu pour le peuple. Et c'est sans doute cela qui explique la persécution de ces peuples. Parce que ce que toi, tu ne vois pas de toi, mais les autres le voient. Les autres, pour les autres, ta prospérité est une menace pour eux. Et donc, tu es un peuple choisi. Ça permet de comprendre sans doute le sens de la souffrance. Nous allons voir le deuxième texte.